nous, on voudrait faire une histoire de, sur notre handicap. Oui. Et en 5 minutes, c'est pas facile d'expliquer en 5 minutes. Mais les gens peuvent nous comprendre. En 5 minutes. En 5 minutes, ouais. Ah. Mais les gens peuvent nous comprendre. Oui. Déjà, il faut trouver l'histoire, déjà. Tant qu'on n'a pas l'histoire, on ne peut pas... Il faut que tout le monde soit d'accord. Dans ces 5 minutes-là, il faudrait expliquer une maladie de 25 ans. Ça dépend les... 25 ans, c'est l'âge de la personne. Non, c'est pas l'âge de la personne, c'est la durée de la maladie. Ah. On n'a pas tous la même maladie, mais on n'est pas trop malade. Mais moi, j'ai du mal à l'expliquer, c'est pas évident. C'est pas évident à expliquer. Les mots ne viennent pas. Ouais, les mots ne viennent pas, voilà, exactement. Voilà. Rien que le fait de nous regarder, c'est déjà beaucoup de choses de dit dans nos yeux quand on les regarde. Personne ne sait ce que l'on a. Voilà. Oui. Voilà. Et oui, c'est pas écrit, c'est notre visage. Oui, c'est notre visage. Et puis c'est pas évident non plus pour nous. Je trouve que c'est même très dur. Pour nous, c'est dur. Mais on peut y arriver, Jocelyne. On peut y arriver. Et on peut trouver une histoire. On va la trouver. Ça nous touche, nous. Ça faut pas que ça touche que le public ou des trucs comme ça. Faut que ça touche que nous. Faut que ça nous touche déjà. Et quand on passe, quand on va tourner le film, il faut parler à celui qui est derrière l'écran. Parce que les gens ne voient pas la vie des personnes handicapées. Ouais. Comme par exemple, moi j'étais avec une bande de copains avant de tomber handicapé. Ouais. Et moi j'ai vu du jour au lendemain, tout le monde m'a laissé tomber. Ouais. Instinctivement, j'allais vers eux en tant qu'handicapés, on aurait dit qu'il y a un truc qui les gênait. Il y en a qui sont vraiment durs avec nous. Tu as des anciens copains, tu as fait des 400 coups avec eux, et à la fin que tu tombes malade, ils sont plus là pour te voir, ils sont plus là pour te dire bonjour. Déjà, ils veulent même plus te dire bonjour. Oui. C'est. Il y a la fausse Martine et la vraie Martine. Oui, voilà. Voilà. Mmh. Ça, on peut faire un film. Ouais. Vraie Martine. Fausse Martine. C'est bizarre parce que je suis un petit peu comme toi aussi. Ouais. C'est pour ça que je suis toujours... Ouais. Elle est heureuse, elle est toujours contente. Ah ben non. Mais non, il faut toujours montrer qu'on est... Oui, voilà. Tu vois, ça, ce serait un beau film à faire. Ouais. Montrer qu'on est toujours heureuse et oui, tout, mais en on fait est bien. Compte, et on est pas, oui, et dans notre fond à nous, non. Non, ouais, c'est vrai. Voilà. Pour moi, la maladie n'est plus handicap puisque j'ai accepté de vivre avec. Et personne ne peut m'empêcher de l'accepter. J'ai accepté et du coup personne ne peut me reprocher. Et aussi c'est pour ça que pour en faire un film, c'est pour ça qu'on peut faire un film parce que je l'ai dépassé. Moi aussi à un certain moment j'ai essayé d'accepter mon handicap, mais c'est très difficile d'entendre des voix, c'est très difficile. On ne fait plus la différence entre les vraies voix et les voix qu'on entend. Et voilà. Est-ce que tu prends en rire de la maladie? En rire? Oui. Mais les gens vont se moquer de nous. Non, je pense pas. J'arriverai pas, moi. Hein? Non, je peux pas, moi. Non. J'arriverai ouais, c'est un petit peu... Non, franchement, moi, j'arriverai pas sur la maladie à faire un truc comique, non. Non, ouais, non. Sur la maladie, c'est un petit peu dur, ouais. Moi, franchement, non, ça me branche pas du tout. Ouais. Ah ouais, moi aussi, hein? Parce que ça parle de piqûres, des trucs comme ça. Ah si, mais si, on peut faire des trucs comiques avec, l'autre, on va se mettre, ah, il commence à gueuler avant qu'il se fasse piquer. L'autre, il prend le médicament, il tombe dans les pommes. 5 minutes, ça passe très vite. Bah oui, ça passe très vite. Très vite, ouais. Mmh. On peut le faire. Et toi, tu dis qu'on peut le faire. Oui. Ouais, je suis sceptique.